Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un organe très important dans notre corps, c'est le foie. Le foie a des fonctions essentielles pour notre santé et j'aimerais vous parler des aliments qui risquent de l'endommager sur le long terme quand vous en abusez. Voilà, ça c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Si vous avez envie que dans une prochaine vidéo, je vous parle au contraire des aliments qui peuvent préserver la fonction hépatique et donc chouchouter notre foie, eh bien dites-le-moi en commentaire et je tiendrai bien sûr compte de votre avis. Alors, avant de vous présenter ces fameux aliments qui sont un petit peu nocifs, on va dire, pour le foie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc pour ne rien rater de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être, eh bien cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cet écran et activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, le foie est un organe majeur dans notre organisme. Il a des fonctions essentielles. Comme les reins et comme l'intestin, on l'appelle un organe de l'élimination. On appelle ça aussi un émonctoire, c'est-à-dire qu'il permet d'éliminer les toxiques et les déchets de l'organisme. Mais ses fonctions ne s'arrêtent pas là parce qu'il y a de nombreuses réactions enzymatiques qui se passent dans le foie. Et il permet également de métaboliser les nutriments énergétiques, c'est-à-dire les protéines, les graisses et les lipides. Donc le foie, c'est un organe essentiel. Vous devez apprendre à le chouchouter, à entretenir sa bonne santé pour conserver vraiment une fonction hépatique la plus optimale possible tout au long de votre vie. Et malheureusement, eh bien, il y a certains aliments dont il faudra peut-être limiter la consommation pour préserver votre foie tout simplement. Le premier aliment, et je pense que ça, tout le monde le connaît, c'est bien sûr l'alcool. L'alcool est considéré par l'organisme comme un véritable poison. Et donc, quand on consomme de l'alcool, tout type d'alcool, le vin, la bière, le whisky, la vodka, le rhum, etc., l'alcool est directement acheminé jusqu'au foie où il est métabolisé en premier. C'est-à-dire que le foie arrête littéralement tout ce qu'il fait pour s'occuper en priorité de l'alcool. Donc il va tout simplement le dégrader et ensuite donc éliminer les déchets qui sont fabriqués lors de sa métabolisation. Donc c'est son premier rôle au foie, c'est dégrader l'alcool et attention parce que ça peut vraiment l'endommager si vous en consommez bien sûr en excès. Donc attention à votre consommation d'alcool, tout type d'alcool, je vous l'ai dit, c'est pas uniquement les alcools forts, c'est aussi le vin et la bière, mais dans mon discours, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la modération. D'accord ? Donc ça veut dire ne pas consommer de l'alcool tout type tous les jours et quand vous en consommez, essayez de limiter à un seul verre. Et puis lors des occasions spéciales, bien sûr, il y aura un peu plus d'alcool consommé, mais au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, essayez de limiter à un verre d'alcool, vin rouge ou bière ou autre alcool, et puis essayez de faire en sorte que cette consommation elle ne soit pas quotidienne. Et là, au moins, vous ne serez pas dans l'excès et vous allez préserver la fonction hépatique. La deuxième chose à laquelle il faut faire très attention pour préserver votre foie, c'est le fructose. Le fructose est une forme de sucre qui est présent dans les fruits, dans les jus de fruits, dans les fruits séchés, les abricots secs, les figues sèches, etc. Et puis aussi dans le sucre, puisque le sucre ordinaire est composé pour moitié de glucose et de fructose. Donc le sucre blanc est un grand vecteur de fructose, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a d'autres sucres qui apportent également du fructose, comme le sirop d'agave, qui est très riche en fructose. Le miel d'acacia aussi est assez riche en fructose. Et également certains sucres industriels, notamment le sirop de maïs, le sirop de glucose fructose, ça c'est des gros vecteurs de fructose et c'est surtout ça qu'il faut limiter. Alors quand je dis limiter, ça veut dire quoi? Eh bien, les chiffres officiels, c'est de ne pas dépasser 100 g de fructose par jour. 100 g de fructose par jour, ça fait quand même beaucoup. En sachant que c'est le fructose des fruits et des sucres, d'accord?
Donc on peut dépasser cette quantité-là si vous consommez régulièrement des sodas, des boissons sucrées, des desserts sucrés, si vous êtes amateur de pâtisserie, de desserts industriels, etc. et que vous mangez en plus beaucoup de fruits séchés, etc. peut-être que vous allez dépasser cette quantité-là. Je pense que ce qu'il faut voir surtout, c'est d'essayer au maximum de réduire votre consommation de sucre industriel. Ces fameux sirops de maïs, sirops de glucose, fructose, parce que non seulement donc c'est riche en fructose, mais en plus, ça dérègle un petit peu vos sensations de faim et de satiété. Donc attention au sucre industriel, préférez tout ce qui est fait maison et ajoutez vous-même du sucre, plutôt du sucre naturel et à index glycémique bas. Si vous me connaissez, vous savez que c'est vers ce genre de sucre que je vous dirige et vous allez comprendre de suite après pourquoi. Donc attention surtout au sucre industriel et aux produits industriels qui sont hyper sucrés, qui peuvent apporter beaucoup finalement de fructose via les sirops de glucose, fructose et sirops de maïs. Les fruits apportent également du fructose, vous pouvez en manger 2 à 3 par jour quand même, hein. Il n'y aura pas de risque si vous en consommez jusqu'à 2 à 3 par jour, hein. N'allez pas vous priver des fruits. Et sachez que le fructose des fruits n'impacte pas de la même manière le foie. Pourquoi ? Parce que les fruits apportent du fructose, mais aussi des fibres, des composés antioxydants, des vitamines et des minéraux. Donc c'est pas du fructose pur, du fructose libre, d'accord ? Il y a quand même un écart entre manger un fruit frais et manger un dessert industriel qui contient du fructose. Même si la quantité est identique dans les deux, ça n'aura pas le même impact. Donc ce que je voudrais que vous reteniez au niveau du fructose, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Vous voyez que finalement, les effets délétères, ils commencent au-delà d'une consommation de 100 grammes par jour. Ça fait beaucoup. Donc ça veut dire que vous pouvez consommer quand même du fructose via les fruits. Il faut simplement ne pas en abuser. Et puis vous pouvez quand même consommer des produits sucrés dans la mesure où vous maîtrisez votre consommation également. Et donc je vous invite à choisir plutôt des sucres à index glycémique bas. Alors juste pour que vous compreniez vraiment pourquoi est-ce que le fructose est délétère pour le foie, tout simplement parce que quand le fructose est en excès dans le foie va se mettre à les transformer en triglycérides. Les triglycérides, ce sont des acides gras, tout simplement, qui peuvent donc à terme endommager la structure du foie et puis en plus qui vont donc augmenter votre taux de triglycérides sanguins et aussi vous faire prendre du poids parce que les triglycérides, c'est la forme de graisse de réserve. Voilà, donc la boucle est bouclée concernant le fructose. La troisième chose qui peut endommager le foie, ce sont les aliments à index glycémique élevé. Et j'en reviens encore et toujours au bénéfice d'adopter une alimentation à index glycémique bas. Alors, pourquoi est-ce que et comment surtout ces aliments à index glycémique élevé vont endommager le foie ? Bien, tout simplement parce que ces aliments stimule la sécrétion d'insuline, hein, parce que finalement, eh bien, ce sont des glucides, des sucres qui doivent être métabolisés. Donc notre pancréas sécrète de l'insuline dès qu'on consomme des glucides, surtout s'ils ont un IG élevé. Et à force d'être sécrétée, cette insuline, elle agit moins bien. Ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et bien cette insulinorésistance qui se crée sur le long terme, hein, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cette insulinorésistance, elle force le foie à fabriquer davantage de triglycérides. Donc à nouveau, on crée une inflammation dans le foie et puis cette inflammation, elle peut aboutir à un état de stéatose, hein, c'est-à-dire un état fibreux dans un premier temps. Et ensuite, donc, c'est le foie qui modifie sa structure et là, ça commence à poser problème. Donc ces aliments à index glycémique élevé, c'est quoi ? C'est les sucres, donc c'est pour ça que je vous dirige plutôt vers des sucres naturels à index glycémique bas. Ce sont les céréales raffinées, donc les farines blanches, c'est aussi le riz blanc, les pâtes blanches, les farines blanches, les viennoiseries, les brioches, et puis tout ce qui est boissons sucrées, bien sûr, les sirops, les sodas, etc. Donc tous ces aliments-là, ils vont favoriser l'insulinorésistance et donc altérer la fonction hépatique à long terme. Alors, comme je vous le répète, hein, ce n'est pas du jour au lendemain que ce processus s'installe, c'est au bout de X années, mais je pense que
Ben vous le savez, en fait, en nutrition, on fait beaucoup de prévention. Hein, donc, pour préserver la santé de votre foie à long terme, c'est vraiment l'alimentation qu'il faut adopter. Une alimentation plutôt faite maison, donc à IG bas. Limiter votre consommation de fructose, en tout cas faire en sorte que vous n'en abusez pas et ne pas abuser non plus de l'alcool. Pourquoi il faudrait aussi privilégier une alimentation maison, c'est-à-dire limiter les plats industriels transformés, tout simplement aussi parce qu'ils apportent beaucoup de sel, beaucoup de graisse de bas de gamme avec des acides gras trans, des acides gras qui sont nocifs pour le système cardiovasculaire. L'excès de sel n'est pas bon non plus quand vous avez un foie qui est un petit peu fatigué. Donc privilégiez toujours une cuisine faite maison. Vous savez ce que vous mettez dans votre assiette, vous limitez les additifs alimentaires, l'excès de sel, les graisses bas de gamme, les sucres dont vous ne connaissez pas l'origine peut-être. Au moins vous savez ce que vous mettez dans votre assiette et en plus vous chouchoutez votre foie, vous faites en sorte que votre foie reste en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire. Donc dites-moi si vous avez envie que je vous prépare une vidéo sur les aliments à privilégier pour chouchouter votre foie. Et puis ben écoutez, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.